après avoir accusé les fans et l'entourage de Nidji Arafat d'être les responsables de la mort du robot, de Bordeaux Liekanfa reçoit une réplique d'Ali Lecode. Décès de Nidji Arafat, Ali Lecode traite de Bordeaux Liekanfa de menteur et d'hypocrite. De Bordeaux Liekanfa, lors de ses dernières sorties sur Facebook, n'a pas du tout été tendre avec les proches et fans de Nidji Arafat. Le Mimi a soutenu que les proches d'Arafat l'ont embourbé dans certaines pratiques mystiques lui faisant croire que celles-ci visaient à le protéger mais qui ont fini par avoir raison de lui. De Bordeaux a également accusé les fans de Nidji Arafat, communément appelés chinois, d'être les responsables du boycott de leur mentor pour n'avoir pas pu acheter son album en ligne afin de lui donner le disque d'or qu'il a tant recherché. En un mot, De Bordeaux accuse les Chinois et les proches du déchiquant d'être les responsables de sa mort. Ces propos de Bordeaux Liekanfa ont enflammé la toile et plusieurs Chinois se sont déchaînés sur le Mimi en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Ce vendredi 11 octobre 2019, c'est Ali Lecode, l'ex-homme de main du Bayer Usama durant ses derniers instants sur Terre, qui s'est dressé contre De Bordeaux Liekanfa. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l'on aperçoit De Bordeaux apprécier les fans de Nidji Arafat. « Je respecte les fans de Nidji Arafat, mon ami personnel, parce qu'ils n'ont pas de camp. Ils sont toujours derrière lui quelle que soit la situation. » Si je respecte une espèce de fan, c'est les fanatiques d'Arafat. Vous êtes les meilleurs de toute la Côte d'Ivoire parce que moi, mes fans, il y a d'autres qui sont bien mais il y a beaucoup qui sont des sales hypocrites, déclarait De Bordeaux Liekanfa. À la fin de cette vidéo apparemment ancienne, Ali Lecode a ajouté la légende suivante, « L'hypocrisie est aussi un mensonge. Pourtant, tu rêvais d'avoir ce genre de fans. » À travers cette publication, peut-on déjà dire qu'il s'agit d'une nouvelle guerre ouverte entre De Bordeaux et la nouvelle Eurogang dirigée par Landry Haban quand on sait qu'Ali Lecode en est un membre influent? Trop tôt pour y répondre.